Je vous retrouve sur la plateforme d'expérimentation Tournesol de Terre Innovia à Villers-en-Haye pour notre dernier point culture de la saison. Sur ce secteur précoce, les tournesols sont à maturité. La récolte va pouvoir intervenir rapidement. On a ici un tournesol qui a souffert du stress hydrique dès la floraison. Et donc on peut constater assez régulièrement sur les capitules des taches stériles comme celle-ci. Il y a encore 15 jours sur cette parcelle, on pouvait observer des zones de dessèchement précoce à mettre en lien avec des zones de terre plus filtrantes et la présence de FOMA au collet. D'après nos observations et nos simulations de date prévisionnelle de récolte, tous les tournesols qui ont levé en avril, voire début mai, devraient pouvoir être récoltés dans une période favorable entre fin août et fin septembre. On est un petit peu plus inquiet pour les tournesols tardifs qui ont fleuri fin juillet. Pour cela, il faudra envisager de récolter dès que possible et recourir éventuellement au séchage. La difficulté en fin de cycle, c'est de déterminer la date de récolte optimale à l'échelle de la parcelle, surtout quand les parcelles sont hétérogènes, comme cette année. Dans certains cas, l'hétérogénéité se définit par grandes zones. Donc là, il ne faut pas hésiter à découper les parcelles à récolter par pièce. Dans d'autres situations, on a une hétérogénéité qui est sur l'ensemble de la parcelle. Et dans ce cas-là, il faut récolter dès que la majorité des plantes est au stade optimal de récolte. N'hésitez pas à faire des tests avec les machines pour voir la faisabilité et l'humidité des graines. Évitez d'attendre les plantes les plus tardives pour déclencher la récolte, car vous risquez de récolter votre parcelle à surmaturité et de perdre du rendement. Enfin, dernier point important, le stockage du tournesol nécessite une logistique particulière. N'hésitez pas à passer un coup de fil à votre organisme stockeur avant d'enclencher le chantier de récolte pour être sûr de pouvoir livrer votre tournesol. La campagne tournesol va s'achever d'ici quelques semaines. Si vous voulez voir ou revoir nos vidéos, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de Terre Innovia. Thank you.